بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين سيدي الوالي سيدي رئيس المجلس الشعبي الولائي إطارات ولاية قسنطينة المدنية والعسكرية أيها المتعاملين السياحيين إخوتنا في الإعلام أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشكركم جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وأؤكد لكم مرافقة مصالح وزارة السياحة لمساعيكم الحميدة فيما يخص النهوض بالوجهة السياحية لولاية قسنطينة، علما بأن هذه الولاية سوف تحتضن حدث هام جدا في 2015، سوف تكون عاصمة الثقافة العربية، وبالتالي سوف تكون لديها فرصة من ذهب من أجل التحول إلى وجهة سياحية حقيقية. دونك سوف أقوم بمداخلة ترمي إلى التعريف بالاستراتيجية المنتهجة فيما يخص القطاع السياحي من طرف الحكومة الجزائرية، والتي من شأنها إذن رفع التحدي المتعلق في جعل من الجزائر وجهة سياحية بأتم معنى الكلمة في آفاق 2030. وهذه الاستراتيجية معروفة بالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية. سمينا هذه المداخلة الجزائر الكنز السياحي، الجيري ان تريزور توريستيك. بادئا ببدء كما قلت يجب أن نتكلم على الاستراتيجية التي تتكون من 5 محاور، إن هي عبارة عن 5 ديناميكيات متلاحمة متداخلة. لا يمكن أن أطور ديناميكية دون الأخرى، لأن سوف يقودنا هذا ولا شك إلى فشل الاستراتيجية. C'est une stratégie donc articulée qui s'articule autour de 5 dynamiques interdépendantes. C'est des dynamiques. D'ailleurs, vous voyez que ça ressemble à un engrenage. C'est des dons. C'est un système. Et il faudra que tous les maillons de ce système avancent en même temps. Dynamique 5 تتعلق بأولا ما يعرف ب بمخطط الوجهة، le plan destination. مخطط الوجهة هو كل ما يشمل عملية الترويج، الاتصال، عملية الإعلام، كل ما يشمل إذن التعريف والإعلام والترويج للوجهة الجزائرية أو للوجهة القسنطينية بما أننا في قسنطينة. Donc c'est le plan de plan destination. C'est le plan qui consiste donc si vous voulez à adopter une stratégie communication efficace, efficiente, une stratégie marketing aussi efficace et pertinente, et donc imposer la véritable image touristique de l'Algérie. La deuxième dynamique, c'est le développement de l'investissement. تنمية الاستثمار، لأنه المعلوم بأن على مستوى الجزائر هناك عجز كبير جدا فيما يخص هياكل الإيواء، وهذا العجز يخص شطر الكم، ولكن يخص أيضا شطر الكيف النوعية. هناك عجز، وبالتالي تأتي هذه الديناميكية من أجل تشجيع الاستثمار وتدارك هذا العجز الكمي والنوعي. C'est le développement donc des investissements pour pallier au déficit criard enregistré au niveau de la destination Algérie. Ce déficit concerne aussi bien donc la qualité que la quantité. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le محور الثالث هو مخطط الجودة السياحية والرسكلة، la mise à niveau du plan qualité tourisme. Alors, la mise à niveau du plan qualité tourisme, justement, est là pour régler le problème qualitatif. Je vous ai parlé de déficit en quantité et de déficit en qualité. Cette troisième dynamique vient à point nommé, justement, pour essayer de régler ce problème qualitatif à travers, bien sûr, la formation. هذا المخطط يهدف إلى جعل نوعية الخدمات المقدمة على مستوى الهياكل السياحية بشتى أنواعها في مستوى المعايير المعمول بها توليا. مخطط مهم جدا، يرتكز أساسا على التكوين، لأنه التكوين ركيزة أساسية إن أردنا النهوض بوجهة سياحية تنافسية. المحور الرابع وهو التمويل، le financement et l'accompagnement. التمويل، c'est très important. Quand on veut encourager l'investissement, il faudra que les investisseurs puissent
bénéficier de mesures d'accompagnement financière susceptibles donc de les de participer donc à l'émergence de leur projet dans les meilleurs délais. Et c'est pour cela qu'il y a une convention qui a été signée entre le ministère du Tourisme et 6 banques en 2012, donc l'année dernière. Et c'est une convention qui a eu beaucoup d'impact, qui a eu un impact très positif sur le l'investissement en Algérie, l'investissement touristique, bien sûr. Il s'agit de la CNEB Bank, le CPA, la BAD, la BDL, le FGAR, le Fonds de garantie, et enfin, Jazair Istitmar. Ce sont les 6 banques et institutions bancaires qui ont signé une convention avec le ministère du Tourisme pour accompagner les investisseurs. تنيتعلق الأمر بإبرام اتفاقيات مع 6 بنوك من شأنها أن تعمل على مرافقة الاستثمار السياحي، مرافقة المستثمرين السياحيين بمزايا فيما يخص القرض، وأيضا بتسهيلات كبيرة فيما يخص مدة التسديد، لو ديلي دو رامبورسمون التي من شأنها أن تصل إلى 12 سنة، شيء مهم جدا، 12 ans pour pouvoir. Enfin, la dernière dynamique, pour terminer, c'est l'intersectorialité ou la chaîne touristique ou la transversalité. Mayo arafou bi as-silsila as-siyahiya li'anna qita' as-siyaha laysa kal qita'at al-ukhra qita' as-siyaha qita' ufuqi wa min sha'nihi idan an yahtaj ila da'm jami' al-qita'at. Hal yumkin takhayyul nashat siyahi dun at-turuqat? Mustahil. هل يمكن تخيل نشاط سياحي دون النقل؟ مستحيل. هل يمكن تخيل نشاط سياحي دون بيئة مناسبة؟ مستحيل. دون موارد مائية، دون طاقة، دون كل القطاعات المعروفة بالقطاعات العمودية تعمل على دفع وتيرة القطاع السياحي الأفقي، وبالتالي هناك ديناميكية تسمى بالسلسلة السياحية لا شين توريستيك. والحمد لله الجزائر تخطو خطوات جميلة جدا فيما يخص هذه السلسلة، فترى مضيق سنتين على سبيل المثال، وكل ما تعرفه الجزائر من إنجازات ضخمة فيما يخص الموارد المائية وفيما يخص النقل فيما يخص الطاقة، كل هذا من شأنه أن يدفع بوتيرة القطاع السياحي. دونك الانترسيكتورياليتي est un maillon primordial de la chaîne touristique parce que nous ne pouvons pas imaginer une industrie touristique sans route. Nos amis des travaux publics ont un très bel adage qui dit « La route du développement passe par le développement de la route. Si je ne développe pas la route, je ne peux pas me développer. » Donc, il est aussi simple que ça, que le secteur du tourisme, étant un secteur transversal, a besoin de tous ces secteurs. Donc, j'ai tenu d'abord à vous faire une présentation de la stratégie. Maintenant, attention, attention. Nous n'avons pas le droit de développer un maillon au détriment de l'autre. Sinon, la stratégie va être déstabilisée. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on encourage l'investissement. Nous cherchons l'istitmar d'un an nura'i li mukhattat al-jawda al-siyahiya. Saufa nasilu ila mada. Saufa nasilu ila mu'assasat funduqiyya fakhma walakin yad amila radi'a. وبالتالي نوعية الخدمات سوف تعمل على تدهور الفندق. لن يجب أن أكون أن أشجع الاستثمار، أن أروج، أن أمول، وأن أفعل السلسلة السياحية في نفس الوقت. Alors, je vais vous épargner l'Algérie, le plus beau secret, ça c'est... Je rappellerai juste le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui à chaque fois, en 2005 lors de la journée mondiale du tourisme et dernièrement lors des assises nationales du tourisme, n'a jamais cessé de rappeler qu'il ne suffit pas de dire que nous avons un beau pays pour être une destination touristique. C'est très important. C'est aussi important que ça. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont le SDAT constitue donc le programme que nous nous attelons à exécuter, à travers son message, donc, nous incite à transformer les potentialités touristiques en produits touristiques. Et je vois علينا أن نعمل على تحويل المؤهلات إلى منتوجات، لأن المؤهلات تعتبر مادة خام، والمنتوج هو الملموس فيما يخص الفعل السياحي. دونك نو دوفون نو اتولي ا
à transformer les territoires, nos territoires, en destinations touristiques. Alors, je vous dirais par exemple, à titre d'exemple, là, j'ai zappé beaucoup de diapositives. Où est-ce qu'on est là? On est en Argentine? Non. On est à Cuba? Non. On est en Algérie et plus exactement à Caprosa, à Alcala, pas très loin de chez vous. Alcala. Donc vous voyez que l'Algérie a des potentialités touristiques d'excellence qui n'attendent que... Là aussi, c'est un autre exemple. Je vais vous épargner les détails. Donc c'est tout simplement le lac Tonga, aussi à Alcala. Ce que je voulais vous dire à travers mon message d'aujourd'hui, c'est que nous voulons développer une industrie touristique. نريد إذن النهوض بصناعة سياحية بأتم معنى الكلمة ولكن من أجل هذا يجب أن نواكب العصر فسياحة السبعينات لم تعد سياحة 2013 لأن المعروف بأن في الوقت الحالي أكثر من 70% من الأسفار تسوق عبر الإنترنت plus de 70% des voyages se vendent en ligne aujourd'hui. C'est terminé, les histoires d'agences de voyage traditionnelles, ça ne fonctionne plus. Au meilleur des cas, au niveau mondial, 15% des touristes achètent chez une agence traditionnelle classique et tout le reste achète en ligne. Donc, nous avons un nouveau qui est le système de technologie et de l'étisal, l'Internet, les chabakat, التحدي الكبير الذي يواجه الوجهة السياحية الجزائرية اليوم هو تحدي تكنولوجيات الإعلام والاتصال. Regardez, votre région, Constantine n'est pas ce que vous en dites aujourd'hui. Constantine n'est pas ce que vous en dites. Constantine est ce que Facebook, YouTube, Twitter et Google en disent aujourd'hui. C'est pas ce que vous dites de Constantine qui fait Constantine. C'est ce que disent les autres. ولعل هذا يعتبر التحدي الأساسي الذي يجب علينا أن نرفعه وهو أن نفرض الصورة إذن السياحية الحقيقية للوجهة أو للمنطقة أو للقطب السياحي الذي نريد تسويقه نريد ترويجه وبالتالي شيء مهم جدا nous devons nous mettre à jour parce que il y a 10 ans je vais pas aller très loin il y a 10 ans quand on voulait vendre une destination touristique, on faisait un spot publicitaire, un très beau spot qu'on paye très cher, à coût de millions des fois de dinars, pour ne pas dire de dollars. Et aujourd'hui, ces spots ne servent pas à grand-chose. Aujourd'hui, lorsque je vois le spot, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier sur Internet. Je vois le spot, tiens, c'est beau, ce pays est beau, cette région est belle. Je me connecte et je vais vérifier sur Internet et je vois ce que disent les gens qui ont testé ce projet sur la destination. Et c'est ce qu'on appelle le testimonial. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le testimonial. Le testimonial, ce sont les commentaires des internautes qui ont fréquenté une région, qui ont habité un hôtel, qui ont résidé dans une... et qui, à leur retour... Donc, poste des commentaires sur les réseaux sociaux. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, nous devons donc, quitte à me répéter, relever le défi de la technologie. Eh bien, regardez ce qui se passe en 60 secondes. En 60 secondes, qu'est-ce qui se passe sur le net? À titre d'exemple, plus de 600 vidéos sont envoyées sur YouTube en 60 secondes, en une minute. 168 millions d'emails... d'emails sont envoyés. Vous imaginez 168 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous fonctionnons dans un monde où la vitesse, elle est vertigineuse. Vous voyez, je vous donne un exemple. Je prends une chambre ici. Je rentre dans ma chambre. Je remarque un défaut, un problème. J'envoie, je photographie et j'envoie en temps réel. C'est-à-dire que il y a 10, 15, 20 ans, on avait le temps de rattraper avec le client. On se disait, mais là, en temps réel, il monte dans sa chambre, il voit un défaut, il le filme, il le photographie, il poste ça en temps réel et vous imaginez les dégâts. استمعنا في كثير من المرات إلى المقولة التي مفادها أن سائح راد يجلب 10 سواح في محيطه المباشر وسائح غير راد ينفر
100 سائح عن الوجهة التي لم يرضى عليها. أبا هذا المفهوم في وقتنا الحالي خطأ. De nos jours, un touriste satisfait ne ramène pas 10 touristes dans son environnement. Et un touriste insatisfait ne ramène pas, ne décourage pas son. هذا المفهوم خاطئ بأتم على ليه بابا لأن الشبكات الاجتماعية والإنترنت أصبحت تمكن السائح الرادي من جلب مليون مليونين عشر ملايين. Donc aujourd'hui le touriste satisfait c'est 1 million, 10 millions, 100 millions de touristes qui viendront peut-être. Et un touriste insatisfait ça peut aller jusqu'à 1 milliard parce que avant c'était de bouche à oreille. Quand il revenait chez lui c'était son bureau, sa famille. Aujourd'hui non, aujourd'hui c'est le net. C'est la toile, c'est le monde, c'est la planète. Donc, voilà, je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple, alors là, tout simple. Un site qui s'appelle TripAdvisor. Regardez, ça c'est TripAdvisor. J'ai envie de venir à Constantine. Je ne viens pas comme ça, je ne navigue pas à vue. Je me connecte d'abord et je me dis qu'est-ce qu'il y a à Constantine. Constantine, hôtel et chambre d'hôte. Alors vous voyez que, vous remarquerez que, voilà, j'ai 7 hôtels qui sont sur TripAdvisor, 7 hôtels sur Constantine, vous avez qui sont classés de 1 à 7 donc, Ibis Constantine, Novotel, Hôtel Bellevue, Sirta, Hôtel SLM, Arc-en-Ciel, Panoramic Hôtel, 7 hôtels. Alors, maintenant, attention, je peux voir les prix, mais plus encore, je peux voir les commentaires. Et là, je n'ai pas envie de vous lire les commentaires, parce que ça, c'est un peu... Mais vous verrez, si vous vous connectez, vous verrez que... Voilà, regardez, photos professionnelles, photos de voyageurs, des voyageurs qui prennent des photos, qui les postent. Alors, meilleure option de Constantine, c'est-à-dire c'est l'Ibis. Alors, c'est l'Ibis qui considère le meilleur, au jour d'aujourd'hui, par les utilisateurs, par les internautes. Pourquoi ? Ils ont leur raison. Alors, vous pouvez vous connecter et voir les commentaires. Voilà, 5 photos de voyageurs, vous pouvez vérifier les prix, et voilà. 20 avis de voyageurs, TripAdvisor, excellent, vous avez 4, très bon, 12, moyen 4, médiocre 0 et horrible 0. Alors, et là vous avez, bonjour, j'ai séjourné dans votre hôtel du 7 au 8 mars 2013, j'ai juste une remarque à faire, je trouve regrettable d'arriver dans un hôtel, de demander à un client de payer d'avance sa nuitée, peut-être que ça changera un jour, pour le reste, rien à dire, je vois mal, cela reste correct pour un Ibis. Heureusement qu'on a pris un bel exemple, allez. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, nous avons changé de tendance. C'est pour ça que je vous dis, le défi que nous devons relever, « التحدي الذي يجب علينا أن نرفعه هو تحدي الانترنت تتحدي يجب أن نكون حاضرين في الشبكات الاجتماعية إن أردنا إذا تسويق منتوج سياحي بأتم معنى الكلمة. » Je vous parlais de promotion. Je voudrais vous donner un exemple de promotion que moi je considère comme promotion réussie. ترويج ناجح. Alors, une action. Donc, ça c'est des médias sud-coréens que nous avions invités. Ça c'est l'action. Regardez le résultat maintenant. Ils sont revenus chez eux.
Donc, ce que je voulais vous donner comme information ici, c'est que les Sud-Coréens pensaient, à l'instar de beaucoup de connationnalités, que l'Algérie n'est que Sahara. Vous voyez le problème? Parce que nous communiquons très mal. Nous communiquons extrêmement mal, si bien que notre pays n'est pas assez connu au niveau international. Donc, je vous ai donné un exemple de promotion, entre guillemets, réussie. Réussie parce que l'action est le résultat. Et nous devons multiplier ce genre de maintenant à la locale, à la régionale, Constantine. Constantine est une très belle wilaya, mais qui le sait? Vous voyez un petit peu le... C'est pas parce que vous le savez que tout le monde le sait. Donc il nous appartient d'être présents au niveau des réseaux sociaux. Nous parlerons de ça pendant les débats. Alors, maintenant un petit tour d'horizon très rapide sur les projets d'investissement touristique en Algérie. Je sais que nos amis de la presse et des médias attendent des chiffres. Alors, nous avons 713 projets d'investissement agréés en Algérie. Maintenant, il y a quelque chose qui doit être dit, c'est que la majorité de ces projets sont des projets urbains. Nous avons 484 projets urbains sur les 713 projets qui sont agréés, donc qui sont en cours de réalisation. Alors, 154 balnéaires. Et puis, 28 projets thermaux, c'est-à-dire qui concernent les régions thermales. 24 projets sahariens, 23 projets climatiques, et 2 projets ruraux, Alors, voilà, ça va donner 82 000 lits à notre pays. بتكلفه مقدره ب 230 مليار دينار جزائري بالنسبه لل maintenant il faudra que je vous donne les chiffres exacts. Alors aujourd'hui 50 000 lits, je vais pas encore parler de ça. 50 000 lits, j'ai parlé de 82 000 lits agréés. 50 000 lits sont en cours de réalisation réellement حقيقه. 50000 سرير هي في قيد الانجاز في الوقت الحالي وتعرف وتيرة تقدم أشغال معتبرة حيث أنها تتجاوز 60% من وتيرة تقدم أشغال و 12000 سرير منها 12000 لي دي 50000 لي سوف تستلم قبل نهاية السنة 2013 وما تبقى يستلم خلال سنة 2014 إن شاء الله. 32000 سرير تبقى سواء في حالة توقف أو عدم انطلاق. Donc il y a 32 000 lits qui sont soit à l'arrêt, soit non lancés. On en parlera tout à l'heure. Ça, c'est pour le parc hôtelier national existant. L'Assira ou le Fanadir, la vie a fait tort, fait haïs, l'Istirlal. Ou il y a Mokad d'Arabie, c'est bien, 1000 serviers. 1136 établissements. Et là aussi, vous remarquerez que l'urbain à la part du lion. Le fanadiq ou la مؤسسات الهياكل الحضريه لها حصه الاسد مره اخرى حيث ان 49% من المؤسسات الفندقيه المتواجده على المستوى الوطني كائنه على مستوى المدن. Donc il y a fanadiq ou مؤسسات ايواء حضريه. Et on arrive à quelque chose de très important. C'est les schémas directeurs d'aménagement touristique de wilaya. Alors là, je dois vous dire quelque chose, c'est que on ne met pas en tourisme n'importe comment une région. On ne met pas en tourisme n'importe comment une wilaya. Il y a un schéma directeur d'aménagement touristique de wilaya qui doit être fait. Monsieur Louali m'a parlé hier de l'attribution du schéma directeur de Constantine à l'Agence nationale du développement touristique. C'est de très bon augure parce que ce schéma directeur va nous dire comment je vais mettre en tourisme Constantine.
quel type de tourisme va prédominer à Constantine. Bien sûr, c'est le culturel. Mais quand je dis le culturel, tout doit suivre par rapport au culturel. Les établissements d'accueil doivent avoir une architecture qui respecte la spécificité de la wilaya. Vous voyez ? Donc c'est ça un schéma directeur. C'est quelque chose, c'est une feuille de route. Voilà, pas de tariq. Voilà, ahem. Voilà, ahem. Min ajl al-nuhud biwijha siyahiya tatamasha wa khususiyat al-mantiqa. Parce que le grand problème que nous avons vécu dans d'autres régions, c'est qu'on a développé un type de tourisme. Je vous donne un exemple. Vous avez souvent entendu parler d'établissements hôteliers qui vous disent « je ne travaille pas, je travaille un mois par an ou deux mois, je ne travaille pas ». Parce que le projet n'est pas adapté, il n'y a pas eu d'études. C'est aussi simple que ça. Vous avez même entendu parler de projets hôteliers qui ont eu un clash avec les populations locales. « Mashari' lam tutaqabbal min taraf as-sukan al-mahalliyin l'anna hatihi al-mashari' unjizat fi ghiyab dirasa » دراسة سوق حقيقية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة الطبيعية ولكن أيضا خصوصية المنطقة الاجتماعية les mentalités, les traditions, les coutumes, les us, tout ça doit être pris en considération quand je veux réaliser un projet touristique, quand je veux mettre en tourisme ma wilaya, ma région, mon pays. ولهذا نعطي أهمية قصوى لهذه المخططات الولائية لأنها كما قلت ورقت الطريق فيما يخص النهوض بال ف je prends un exemple à côté. Est-ce que je mets en tourisme Taraf comme je mettrais en tourisme Guelma? Non, mais surtout non. Taraf, c'est le tourisme écologique. Taraf, c'est une zone fragile, écosystème fragile. Nedam bi'i hash jidda. وبالتالي لما اريد أن أستغل سياحيا ولاية الطرف أخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والإنجازات يجب أن تكون بما يعرف بالهندسة القابلة للتجديد le matériau léger, le bois, le thermal, on ne peut pas mettre le bois pour X raison, mais autre. Donc chaque région a ses spécificités et doit être développée en fonction de ses spécificités. Alors, pour ce qui est de Fimeros, on sur le مخطط الجودة كما قلت والتكوين وإعادة ورسكلة المستخدمين يجب أن نعلم بأن هناك معايير يدي نورم إلي نورم سيلي نورم دو المنظمة العالمية للسياحة الأورغانيزاسيون مونديال دو توريزم كي دي أن لي سرير من شأنه خلق نصف منصب عمل مباشر ومنصب عمل غير مباشر أن لي دوتيل comme où nous sommes. C'est-à-dire que cet hôtel, je vais lui dire, vous avez combien de chambres? Il me dit, j'ai 240 chambres. Donc, automatiquement, il doit avoir 120 emplois directs, obligatoirement. 120 emplois directs. Et 240 emplois indirects, ça, c'est pas lui. C'est le taxieur, c'est tous les emplois connexes, qu'on appelle Manasib al-Amal al-Ghayr al-Mubashira. Maintenant, Ali créer un demi-emploi direct. Maintenant, combien former? Je reviens à Constantine, je me dis, bon, j'ai une prévision, je vais réaliser, par exemple, là, je disais, je vais réaliser 2000 lits à l'horizon 2015 plutôt, par rapport à la capitale, 2015. Donc, je réalise 2000 lits par rapport à 2015. Alors, je sais automatiquement que je dois former 1000 employés. Donc, combien former? Alors, je reviens au national. Le national, on a dit tout à l'heure que le schéma directeur d'aménagement touristique algérien prévoit, à l'horizon 2015, la création de 75 000 lits. مخطط التوجيه للتهيئة السياحية يعمل على خلق 75 000 سرير في غضون 2015. Donc, quand on a de 75 000 lits, je divise par deux. Et j'obtiens le nombre d'employés à former, 37 500 employés. Maintenant, je forme comment? Je forme quoi? J'ai le nombre, mais je forme quoi? C'est pour ça que tout à l'heure, quand je discutais avec l'opérateur qui a initié une école de formation au niveau de l'hôtel, je lui ai posé la question, vous formez quoi? C'est très important. Je forme quoi? Les normes de l'Organisation mondiale du tourisme disent 5% doivent être des managers. 5%. Moi, c'est Yirin. Ensuite, 10%, c'est l'accueil
et la réception. Istiqbal, 10%. C'est l'accueil et la réception. 25%, c'est tawabiq ou l'iwa, les étages et les hébergements. 25%, c'est les étages et les hébergements. 45%, c'est la restauration, l'état, donc la cuisine, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et 15%, c'est le tourisme au sens large, le guide touristique, l'agent de voyage, le murshid al-siyahi, wakil al-asfar et la khibidalik. Et ensuite, on répond à la question, où former ? Où former ? Alors, nous avons en Algérie l'École nationale supérieure du tourisme, que vous connaissez à l'Orassi, l'Institut de Tizi Ouzou, celui de Boussaada, et j'ai mis autre parce que nous sommes en train de réaliser, et Constantine en a bénéficié directement, et c'est magnifique, une école de formation à Ain Benyen, à Alger, que réalise la Société des investissements hôteliers, la SIH, que vous connaissez, et qui va être gérée pendant 8 ans par l'école touristique de Lausanne, de Suisse, en management, 8 ans. Donc cette école va ouvrir en janvier 2014. Et Constantine va bénéficier d'une école, d'un institut, on ne va pas dire annexe. Tout à l'heure, je disais annexe, M. Louali m'a dit que ce n'est pas une annexe, c'est une école à part entière. Et c'est très bien parce que vous êtes en train de voir maintenant que Constantine est en train d'appliquer le schéma directeur par excellence. Elle encourage l'investissement, elle crée des écoles de formation. Vous voyez un petit peu l'intersectorialité fonctionne très bien, les tramways, le train, le financement avance très bien. La preuve, la BEA a financé ce projet sans convention. Pourtant, elle ne fait pas partie de la convention. Et j'oubliais un élément. Maintenant, je crois que le maillon faible de Constantine, c'est la promotion, c'est la communication. Parce que les quatre dynamiques avancent très bien, mais cela ne se sait pas à l'extérieur des frontières de Constantine. Maintenant, on va se poser une question. On va revenir au pôle nord-est qui nous intéresse, le pôle touristique nord-est, dont Constantine. C'est un pôle qui recèle 14 wilayas, dont 4 wilayas côtières, que vous connaissez, Taraf, Skikda, Annaba et Djidjel. Alors, Constantine en fait partie. Le pôle a 187 projets en cours de réalisation d'une capacité de 20 612 lits. Le pôle abrite sur son territoire 44 zones d'expansion touristique, dont un plan d'aménagement fini, c'est celui de Messida de Taf. Maintenant, ce qu'il faut dire ici, c'est que lorsque je reviens vers Constantine, je dis que le pôle contient 44 zones d'expansion touristique, 19 à Djidjel, 9 à Skikda, 5 à Annaba et 0 à Constantine. Et je voulais arriver à ça, justement. Je voulais faire ressortir Constantine de son environnement global. Comment ça se fait que Djidjel a 19 Z alors que Constantine n'en a pas? Donc, comment se fait-il que Constantine ne dispose pas de zones d'expansion touristique? Je crois que c'était vous qui deviez me poser la question, c'est moi qui vous la posez. Mais oui, pourquoi Constantine n'a pas de Z? Je vais vers un jeu de mots, je vais dire zut, Constantine n'a pas de Z. Et pourtant, c'est une wilaya touristique d'excellence. Donc je crois que beaucoup de travail doit être fait à ce niveau pour essayer de classer quelques zones en zones d'expansion touristique. Je vous rassurerai en vous disant qu'il y a 3 zones de proposer. Constantine a proposé 3 zones d'expansion touristique. Elles sont à l'étude au niveau de l'Agence nationale du développement touristique et elles vont bientôt, Inch'Allah, donc être décrétées. Ceci dit, il faudra que nous nous évertuions ensemble à voir dans quelle mesure on peut délimiter des espaces touristiques, un foncier touristique susceptible d'abriter des produits touristiques d'excellence au niveau de la wilaya. Alors sur le plan investissement maintenant, au niveau du pôle, pour Constantine, un projet achevé, c'est celui où nous sommes. 5 projets en cours de réalisation et un projet à l'arrêt, recensé au niveau du territoire, donc la wilaya de Constantine. Je dis que hada shay ghayr kafi tamaman بالنسبه لولايه ب ب ب بحجم ولايه قسنطينه اظن بان ولايه قسنطينه ولايه من شأنها إذن الاستحواذ عدد أكبر من
هذه الاستثمارات المسجله، وبالتالي انا كل ايمان بان الحدث الذي سوف تحتضنه هذه الولايه سوف يكون فرصه سانحه، فرصه من ذهب من اجل تحولها الى وجهه سياحيه بهياكلها بمؤسساتها بمرافقها السياحيه. Je terminerai en vous disant quelque chose, je terminerai avec un petit message qui est très simple. Regardez la fiche publicitaire qui est devant vous. C'est un monsieur, une tante, la nature, des montagnes, et l'icône, la légende, c'est le luxe. Le luxe ne se vit plus de la même façon. Le luxe, al-fahama, la tu'ash binafs al-tariqa. Le luxe ne se vit plus de la même façon. Quel est le message ici? Le message est le suivant. L'Algérie est un pays qui peut donc proposer toutes les formes touristiques, ça c'est connu, du sud à l'est, du nord à l'ouest. Maintenant, il faudra qu'on sache qu'aujourd'hui, ce que recherchent les touristes au niveau international, au niveau mondial, ce n'est pas le luxe des années 70. Ou des années 80 ou des années 90. C'est un autre luxe, c'est celui-là. Ça, c'est le luxe. Ça, c'est le vrai luxe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Algérie n'a pas besoin des édifices du Moyen-Orient pour exister. L'Algérie n'a pas besoin des buildings. L'Algérie n'a pas besoin des casinos pour être une destination touristique. L'Algérie a en elle tout ce qui peut faire d'une destination de luxe, c'est sa nature, c'est sa virginité, c'est sa spécificité, c'est son authenticité. Donc je voulais vous transmettre ce message parce qu'il est très important pour vous dire que la stratégie nationale algérienne donc, repose sur des axes extrêmement importants qui font que nous ne devons pas copier, je vais le dire en arabe, « jibwa alayna tafadi nasr » نماذج سياحية نفذت في وجهات أخرى ومحاولة لصقها على الجزائر. Nous devons éviter, mais alors là, coûte que coûte, de copier des modèles touristiques qui ont été réalisés, ça et là, sans citer de pays, et vouloir coûte que coûte les coller à l'Algérie. Ça ne marchera pas. L'Algérie doit développer sa propre industrie touristique en prenant ses spécificités, ses caractéristiques, sa nature, ses populations, ses traditions, ses coutumes, etc. Voilà, il y a beaucoup à dire, mais bon, je voudrais vous donner juste un exemple pour étayer ce que j'ai dit. Regardez. Hourglass, ça c'est Hourglass. Ça, c'est un investisseur. On en a parlé hier, M. Louali. C'est un investisseur qui a creusé dans la montagne et qui a réalisé 28 chambres, c'est des grottes. Tout simplement. Ces chambres, c'est la nature, c'est des grottes. Il n'a pas fait de béton, il n'a pas fait de tours à étage, il n'a pas fait de... Et croyez-moi, si vous rentrez à l'intérieur, vous ne voudriez pas ressortir. Parce que c'est ça le vrai tourisme. Un Allemand, quand il vient chez vous, ce n'est pas pour... Il en a assez du confort. Il en a assez du béton. Il en a assez du luxe, entre guillemets, à la 70. Ce qu'il veut, c'est la particularité. Un Allemand, un Anglais, veut vivre comme vivrait... Je vais aller plus loin. Veut vivre comme vivrait un Constantinois. Veut manger ce que mange un Constantinois. Veut penser comme penserait un Constantinois. Parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus « je vais voyager ». On ne parle pas de consommer. On dit... vivre une expérience. Le tourisme aujourd'hui, c'est vivre une expérience. Et à travers les réseaux sociaux et l'Internet, partager son expérience avec les autres. Et c'est ça la nouvelle. Donc tendons ce... وفي هذا القدر كفاية يا بوكو بادير مي جي سوي فوني سورتو بور فوز ايكوتي اذا اشكركم جزيل الشكر على حسن الاصغاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت قلت بان لا نبحث عن اللوكس
لكن من خلال الأرقام المقدمة في عرضكم يبدو أن أكثر من 50% من المشاريع هي حضرية، ألا يتناقض ذلك مع الهدف المنشود من الاستراتيجية؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. سؤالي الثاني يعني طرح مجموعة أسئلة باش ما نعاودش نتكرر. كاين سؤال يتعلق بالعودة للاستثمار العمومي في مجال السياحة، وحنا مرينا منذ سنوات بفترة خوصصة قيل عنها ما قيل، وحتى يعني النتيجة أن تلك الفنادق يبدو أنها قد تحولت إلى أماكن لا علاقة لها بالسياحة. هل ألا تخشون أن تخفق أو يخفق الاستثمار العمومي بما وضعته يعني من إمكانيات ضخمة؟ وما هي الأساليب التي سوف تسلكونها لتحاشي الإخفاق، خاصة وأن القطاع العمومي إلى يومنا هذا يعني نوعا ما يوصف بالسيء. من خلال العرض أيضا تحدثتم عن الترويج، والترويج الحلقة الأساسية في الترويج هي الوكالات العقارية السياحية. الوكالات السياحية نرى أنها تعمل كما يعمل عندنا المستثمرون يعني أمبوغ. هل سيتم إعادة النظر في النصوص أو دفاتر الشروط أو فرض شروط معينة أن السائح لما يخدم وجهة أجنبية عليه أن يجلب لنا سواح إلى هنا؟ وشكرا. شكرا سيدتي على هذه الأسئلة الوجيهة جدا. هل هناك تناقض بين النظرة إلى السياحة بأنها ليست الفخامة السبعينات؟ ليس هناك تناقض. لماذا؟ أولا لأن أنا لما تكلمت على الفخامة لوكس أنا لم أقصد المدن. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais vous faites bien de me le rappeler. Parce qu'on ne peut pas demander, à titre d'exemple, « La yumkin an atlob min mustatmir isti'amal al-khashab li injaz fondouk hadari ». Le fondouk al-hadari, il y a un injaz bil-ismant. Il n'y a rien à dire là. Maintenant, ce qu'on pourrait demander à l'investisseur urbain, à Constantine, qu'est-ce qu'on peut demander à Constantine, à ceux qui vont faire des hôtels, de respecter l'architecture locale. Ça, c'est fondamental. L'histoire retiendra que nous sommes responsables par rapport à ce qui va arriver. Donc, nous avons toute la latitude de pouvoir imposer au niveau d'un cahier des charges que l'investisseur respecte scrupuleusement l'architecture locale constantinoise. Parce que ça, c'est possible. C'est-à-dire que le luxe, le béton, on ne peut pas l'éviter dans les villes. Maintenant, vous avez raison. Parce que ça, c'est du parti pris. C'est des hôtels qui existent déjà. C'est-à-dire que nous allons nous atteler dorénavant, min huna wa sa'idan, à la tawjih al-istithmarat al-mustaqbaliya min ajl an natafada an takoun أن يكون الاستثمار لا يتماشى مع خصوصية المنطقة. Parce que je vous donne un exemple. D'ailleurs, quand je pense à cet exemple, je trouve pas le mot. Imaginez un complexe, un hôtel 5 étoiles au niveau d'une place de Acaporosa. Il m'a très long. On va heureusement qu'il n'existe pas. Mais très long. On va se l'imaginer. Acaporosa, si je pouvais le faire en 3D, je le ferais. À Caprosa ou à la Messida ou à la Ouana Adjigil, un hôtel 5 étoiles avec 14 étages, avec tout ce qu'il y a de luxe pompeux. Vous imaginez quelqu'un monter, quelqu'un qui vient de la plage avec sa serviette, qui rentre dans l'hôtel, la moquette avec son sable, l'ascenseur, ça choque. La plage, le luxe choque. La plage n'a pas besoin d'hôtel 5 étoiles, je suis désolé. Et celui qui fait un hôtel 5 étoiles dans une plage, quelque part. Il est mal conseillé. Vous comprenez qu'une plage a besoin de bungalows, a besoin d'appart-hôtels, ce qu'on appelle des appart-hôtels. C'est des trucs pas très confortables, 3 étoiles maximum, pour que les estivants puissent se sentir à l'aise. Donc, oui, excellente question, je ne vous jette pas des fleurs, madame. Effectivement, quand j'ai dit le luxe, ليس هناك تناقض par rapport للحضاري, للمدن, ولكن مستقبلا سوف نعمل على توجيه جميع الاستثمارات من اجل جعلها لا تصطدم مع حقيقه المنطقه. السؤال الثاني 70 مليار دينار جزائري اذا استعملت من اجل اعاده ترميم وتحديد 63 مؤسسه فندقيه
تابعه للقطاع العمومي. 70 milliards de dinars ont été donc engagés pour par le gouvernement algérien pour remettre donc pour moderniser restaurer 63 établissements publics. هناك اشياء كثيره يمكن ان نقولها. هناك مؤسسات اين نجحت العمليه بصفه جميله جدا. زيانيد في تلمسان. الاوراسي الجزائر في الجزائر العاصمه. كردادة ببوسعاده. J'ai oublié un autre, il y a cinq. Donc il y a certains établissements où l'opération a très bien fonctionné, où les établissements ont été vraiment restaurés, remis à neuf. Il y en a d'autres où ça n'a pas encore bien marché à cause d'infructuosité. Il y a eu des avis d'appel d'offres qui n'ont pas eu ce qui fait qu'on a perdu du temps. Mais ce qui est sûr et certain, إخفاق أنا لا أظن بأنه سوف يكون هناك إخفاق. لماذا؟ لأن هناك شيء جديد لم يؤخذ بعين الاعتبار في بداية الأمر وهو المنافسة. في الوقت الحالي هناك دخول عدة خواص في إنجاز فنادق، وبالتالي سوف يعمل هذا الخواص على خلق المنافسة التي ستجعل المؤسسات العمومية تواكب النوعية إن لم ترد الزوال. C'est très important. Il y a une nouvelle donne aujourd'hui en Algérie. C'est les 82 000 lits agréés dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont en train de créer de la concurrence, ce qui fait que nos établissements publics, s'ils ne se mettent pas à jour, ils vont être condamnés à disparaître. Et je suis sûr et certain que cela va les encourager à faire vite et bien. Alors, وكالة السياحة والأسفار طبعا الدور المنوط لهذه الوكالة هو الترويج للوجهة السياحية الجزائرية. وما يسجل هنا وهناك وهو أن هناك وكالات سياحية كثيرة تعمل للسياحة الخارجية outgoing. ولهذا عمد القطاع عمدت وزارة السياحة على إعادة إذن النظر في القانون الذي يسير الوكالات، وسوف ندخل على مستوى هذه القانون تحفيزات جبائية مهمة جدا لصالح الوكالات السياحية التي تقوم بالسياحة الداخلية والسياحة الاستقبالية. Nous allons introduire, nous allons réviser la loi sur les agences de voyage et nous allons inclure des clauses, des mesures incitatives très très importantes pour les agences de voyage qui font du réceptif et du domestique et non pour celles qui font de l'émission. Qui émettent les tourismes. Donc, pour vous répondre, nous avons pris en considération cela parce que nous considérons que le principal rôle d'une agence de voyage, s'il vous plaît, c'est de vendre le produit algérien. Vous allez dans une agence, vous voyez tout sauf l'Algérie. C'est pas normal. Moi, je vais aller plus loin. Je vais dire qu'il est plus facile de vendre le produit des autres que de vendre son produit. Le vrai professionnel, c'est celui qui fabrique un produit. À Constantine, je peux fabriquer un produit d'excellence. Inch'Allah, dans deux années, ça va être une destination, mais de pointe, avec le circuit qu'on a vu ce matin, le chemin du touriste, avec plein de belles choses, ça va être... Et puis, je vendrai le véritable professionnel, celui qui vend les produits qu'il fabrique, et pas les produits des autres. Voilà, je suis quand même. أود أن أطرحها هي سياسة الأسعار داخل هذه المنظومة، وهذا مرتبط بتنمية السياحة الداخلية خاصة. وسؤال ثاني مرتبط، هل لا يجب أن وضع يعني آليات للضبط فيما يخص الأسعار من خلال مؤسسات يعني عمومية أو شيء من هذا القبيل، حتى يكون هناك يعني ضبط للأسعار، لأن هناك يعني شكرا جزيلا. إن سياسة الأسعار شيء مهم جدا. يجب أن نعلم بأن الأسعار تدخل فيما يعرف بقانون السوق. قانون السوق، العرض والطلب. أنا قلت في بداية مداخلتي بأن الجزائر تعرف عجز كبير فيما يخص هياكل الإيواء، سواء تعلق الأمر بالكم كمية العدد أو بالكيف النوعية. وبالتالي لما أقول بأن هناك عجز، يتضح الأمر بأن هناك عرض منخفض كثيرا مقارنة مع الطلب. وقانون السوق واضح جدا، لما يفوق الطلب العرض ترتفع الأسعار وتنخفض نوعية الخدمات. هذا المشكل، مشكل الأسعار، سوف يعالج
بالاستثمار، بتشجيع الاستثمار، لأن الاستثمار سوف يخلق المنافسة، والمنافسة سوف تعمل على إذن إدفاء أسعار تتماشى والسوق. Un chez Mohim Jidden. À partir du moment, je vais vous dire, vous venez à Constantine il y a un an ou deux ans, vous n'aviez pas le choix, il y avait un ou deux hôtels. Vous êtes obligé d'y passer la nuit, sinon vous allez la passer dehors. Alors, l'hôtel va vous dire 5000 dinars, vous n'allez pas lui dire c'est cher, vous n'avez pas le choix. À partir du moment où je n'ai pas le choix, les prix grimpent et la qualité dégringole. Donc, maintenant qu'il y aura 10, 15, 20 hôtels, vous allez voir, les prix vont se stabiliser et la qualité ira de mieux en mieux. Parce que celui qui a, c'est ce qu'on a vu sur TripAdvisor tout à l'heure, c'est un peu ça. Donc, si c'est ça, moi, tabeta bi qanoun, l'ard ou talab qanoun souk, ou sauf y'amel l'istitmar siyahi ala, moi, j'ai dit, aliyat li tatbiq l'as'ar ou khilal mu'assassat umoumiya, on a dit, bien le... الجواب يكمن في السؤال الأول، ولكن أقول أيضا شيء مهم هو أن هناك فيدرالية وطنية لمستغلي هيكل الإيواء، la Fédération nationale des hôteliers. Et nous sommes en train de l'impliquer. Je vous donne un exemple. On a été dernièrement à Tamanrasset avec la FNH, avec Gestour. Connaissez Gestour, celle qui gère les établissements étatiques, les 63. Avec Air Algérie et Tassili Airlines, on a été à Tamanrasset leur faire des propositions pour le Ramadan. 50% de réduction sur le billet d'avion de Tassili et d'Air Algérie et 50% sur tous les hébergements de Gestour. Et vous voyez, ça commence. On commence à les sensibiliser parce qu'on leur dit, si vous ne vendez pas votre établissement pendant le Ramadan à 50%, vous n'allez pas travailler du tout. Est-ce qu'il est... On a un hôtel ici. Il y a par exemple 100 chambres. Il y a 100 chambres. Est-ce que vous préférez vendre 50 chambres à demi-tarif ou ne pas vendre du tout? La question, elle est là. C'est ça la stratégie marketing dont on parlait. Stratégie de tsuir. Wa shukran. Zain ma'arav al-amin, siyaha al-sahrami. A'taqad annu fi mukhattat wazaratkum l'tarwij l'wujha al-jazayriya, akid bidayatkum l'wujha li hiya ma'arufa and wa hiya l'wujha al-sahrami. Lakin su'ali, wa annu l'adid min wakilat siyaha al-sfar fi al-janoub, yishtakiw annu y'arqlu nashatahum wa nashatahum mujammad bain qawsayn. السؤال هو هل تفكرون في إعادة بعث نشاط هذه الوكالات؟ أنشنمون في نفس السياق أيضا الترويج الجزائر العديد من الناس يقولوا بلي الجزائر لم تستفد من بعض الوضعيات أو الحوادث اللي هي تاع الربيع العربي في وجهات سياحية مجاورة وتستغلها يعني لترقية صورتها وترويج لنفسها. هل لدى وزارتكم مخطط أو طريقة للعمل بهذا؟ السياحة الصحراوية نوع مهم جدا بالنسبة بالنسبة للاستراتيجية الوطنية. سوف أتطرق إلى موضوع لم أتطرق إليه أنفا. Ça s'appelle le concept de résilience. Je vais essayer de traduire le concept de résilience. C'est مفهوم المقاومة. ولكن المقاومة بالمعنى الاقتصادي. ما هو مفهوم المقاومة؟ Le concept de résilience est le suivant. Regardez bien l'Algérie. Si je concentre mon activité touristique sur le nord, par exemple, regardez ce qui va se passer. Et que demain, il y a un problème au niveau du nord. Il va se passer cela. Le nord va s'éteindre, mais l'Algérie touristique va rester allumée. Donc la stratégie du ministère du Tourisme est de faire... et de développer le tourisme partout en Algérie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure 48 schémas directeurs d'aménagement touristique. Chaque wilaya a son schéma. Chaque wilaya va être mise en tourisme selon ses spécificités à elle. Parce que regardez, je vais passer au sud. Si demain la crise du Sahel fait que il y a... Regardez ce qui va se passer. Il va se passer que le sud va s'éteindre. Mais l'Algérie ne s'éteindra pas. C'est ça le concept de résilience. هذا هو مفهوم المقاومة. مفهوم المقاومة هو استحداث نشاطات سياحية على مستوى جميع القطر الوطني لأن الجزائر كلها جميلة وكلها سياحية. J'ai vu Mila il y a 15 jours, je suis reparti sans voix. Ah ben voilà, je vous l'avoue. Sans voix, le Touk Beni Haroun, le vieux Mila, mais le vieux Mila, c'est... Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que nous avons. Chaque coin, chaque région, chaque wilaya, chaque région d'Algérie
est une mine d'or en matière de tourisme, à charge pour nous, de savoir la mettre en valeur. Et c'est ça le défi. Donc, c'est pour cela que je vous dis, nous, la nuit l'aulawiya, l'île siyaha saharawiya. C'est un produit qu'on ne peut pas concurrencer. On ne peut pas nous concurrencer sur le tourisme saharien. Mais nous développons, nous essayons, c'est la stratégie, de développer le tourisme un peu partout. Dans quelques années, Constantine sera un pôle touristique d'excellence. Vous verrez, moi je suis très optimiste. Je dis bien d'excellence. Et par conséquent, j'aurai Constantine, j'aurai la Kabylie, j'aurai Tlemcen. Regardez comment est devenu Tlemcen suite à l'événement capital de la culture islamique. Voilà. Donc, vous comprenez que nous ne devons pas nous faire une fixation sur une zone par rapport à d'autres. Nous développons toutes les zones. Maintenant, par rapport au tourisme saharien, parce que nous avons rencontré les opérateurs du Sud. Ils nous ont exprimé leurs problèmes, leurs préoccupations, le fait qu'elles ne travaillent pas. Et on s'est mis d'accord. Je leur ai dit, mais... Quand vous allez acheter une chemise, vous achetez la chemise d'abord ou la dentelle? Eh bien, en Algérie, on a acheté la dentelle avant d'avoir la chemise. Voilà ce que je leur ai dit. En Algérie, on a mis la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal de développer le tourisme international avant de développer le tourisme national. L'étranger, quand il voit que l'Algérien ne fréquente pas son pays, il va se poser des questions. Vous comprenez que si nous voulons être une destination d'excellence à l'international, nous devons d'abord développer notre tourisme domestique. Siyaha ad-dakhiliya chez Mohim Jidan Obitali, wasanna ila iddat tifaqat ma'a hatihi al-wakalat lati sawfa tatahawwal strategiyatiha nahwa as-siyaha ad-dakhiliya bi-ishrak وكالات النقل شركة النقل الجزائرية تسيل من أجل تخفيضات لفائدة المواطنين بالجزائر بإشراك جميع الفاعلين في الحقل السياحي وبالتالي يجب علينا أن لا نقتصر على السياحة الخارجية هذا شيء لا رجعة فيه nous devons développer le tourisme domestique et le tourisme domestique nous n'avons pas de problème de visa et nous n'avons pas de problème de réputation à l'international, nous n'avons pas de Quai d'Orsay, vous m'avez compris. Et c'est ce tourisme national qui va montrer au Quai d'Orsay et aux autres que l'Algérie est un pays sécurisé, que l'Algérie est un pays stable. C'est ça, c'est absolument ça, nous devons nous imposer. On impose notre tourisme, notre industrie touristique à la nationale, et c'est la plus belle publicité qu'on pourra faire à l'international pour la destination Algérie. Alors, الجزائر لم تستفيد من الربيع العربي لا لم يكن في 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 مساعينا الاستفاده من هذا nous n'avons jamais dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres nous sommes en train de développer je vous l'ai dit une que Dieu nous puisse nous aider à réussir une stratégie sereine qui est basée sur des fondements très solides nous voulons mettre en tourisme l'Algérie à notre façon. Parce que l'Algérie est le pays de tous les tourismes. Mais l'Algérie n'est pas le pays de n'importe quel tourisme. Et c'est ça le jawab, quand vous avez sécurisé beaucoup plus les pays d'Internet, sans que l'Algérie soit mouamana. Et avec ça, il y a toujours le temps de l'affaire qui est en train de faire un peu de sentiment de l'amour. وعند السواح كما يضيق أيضا عليهم يعني التنقلاتهم هذا من جهة وسؤالي الآخر يخص يعني تعرضت العديد من المناطق التوسع السياحي المستحدثة مؤخرا ولا في السنوات الماضية إلى أماكن مهملة أو حولت إلى أغراض أخرى غير سياحية حبينا يعني هل حددتم عن ذلك؟ alors فيما يخص السؤال الثاني الخاص بال mine l'afouage syrien, mais avec les escortes. Oui. Alors, effectivement, je vous dis qu'il y a d'abord deux types de touristes. Parce que quand on dit escorte, on parle de l'international, madame, hein, c'est bien ça. Il y a deux types de touristes. Sachez qu'il y a deux types de touristes. Il y a des touristes qui demandent l'escorte, eux-mêmes. C'est généralement les Anglais. Ils demandent l'escorte, c'est-à-dire qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise quand ils voient l'uniforme.
Il y a des touristes qui sont gênés et dérangés par l'escorte. Donc déjà, on doit Maintenant, regardez, il y a un dicton, un adage qui dit un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Vous imaginez ? C'est vrai qu'on fait un peu dans l'excès, je vous le dis, mais c'est parce que nous voulons éviter, c'est comme ça, c'est de l'hypercorrection, on va dire que c'est de l'hypercorrection, parce que nous sommes tellement soucieux de l'image de notre pays que nous ne voulons prendre aucun risque. Tout en sachant que notre pays, la preuve, rappelez-moi, regardez, je vais citer un pays, je n'aime pas citer les pays, mais je vais le faire. L'attentat de Marrakech, c'était un attentat contre le tourisme. Donnez-moi un événement similaire en Algérie, il n'y en a pas. On n'a jamais enregistré de problème par rapport à notre tourisme. Et on ne veut pas qu'il y en ait. Maintenant, puisque j'ai parlé de l'attentat de Marrakech, je vais terminer. Quelle a été l'attitude des Marocains à l'époque ? Souvenez-vous, quand il y a eu l'attentat de Marrakech qui a eu fait des centaines de morts. Quelle a été l'attitude de... Est-ce que le Maroc a cessé d'être une destination touristique ? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les autorités marocaines ? Il y avait un match Algérie-Maroc qui devait avoir lieu à Casablanca, retour. Ils ont délocalisé le match de Casa, ils l'ont mis à Marrakech pour dire au monde entier, il n'y a rien. Alors nous, il suffit que quelqu'un éternue. Ah, s'il vous plaît, il faut qu'on soit réaliste. أنا لما أقول بأن الجزائر وجهة آمنة ومستقرة وواعدة والله شهيد على ما أقول أنا أقولها avec beaucoup de conviction. L'Algérie est un pays sécurisé, stable, serein et n'en déplaise aux détracteurs. Maintenant, cette histoire d'escorte, on va essayer de voir dans quelle mesure, parce que je sais, nous vivons ça, nous le vivons presque fréquemment. Maintenant, je vous ai dit, je vous dirai aussi que la sécurité pour nous est quelque chose de, primordial. Avant tout, c'est la sécurité, parce que là aussi, je vais vous donner un adage. La sécurité, on dit que c'est comme un arbre qui produit 10 millions d'allumettes. Imaginez un arbre qui produit 10 millions d'allumettes. Mais imaginez qu'une allumette flambe, elle va détruire 100 millions d'arbres. Vous avez compris. On ne doit pas jouer avec cette allumette parce que, comme j'ai dit, un petit incident de rien du tout et c'est toute la réputation qui est atteinte. Les aides. Oui. هناك عدة تجاوزات سجلت على مستوى بعض مناطق التوسع السياحي لأن هذه المناطق elle a été décrétée en 1988. Pour la majorité. Nous avons 205 ZET en Algérie, dont la grande majorité a été décrétée en 1988. Et je vais vous le dire avec beaucoup de sincérité, la nature a horreur du vide. Et parce qu'on ne les a pas occupés, il y a eu quelques dépassements. Mais nous sommes en train de revoir notre copie au niveau du ministère, dans la mesure où nous sommes en train de réaliser un projet de déclassement des aides qui ont été défigurées. On va les déclasser, on va les enlever carrément du listing des zones d'expansion touristique et nous sommes en train de décréter 39 nouvelles aides qui vont être décrétées très prochainement, mais alors là, très prochainement, plus les aides qui sont à l'étude comme celle de Constantine, les 3 aides. Donc nous allons récupérer le foncier qui nous a échappé et nous allons faire de sorte qu'il n'y ait, avec vous aussi, avec vous, avec les médias, qu'il n'y ait plus jamais d'atteinte aux zones d'expansion touristique. Parce que les zones d'expansion touristique, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le dis maintenant, c'est quoi ? C'est 54 000 hectares en Algérie. 11 hectares, c'est tout. 54 000 hectares. Alors, 54 000 hectares, les normes d'urbanisme et de construction disent qu'il ne faut jamais dépasser 30% de l'utilisation de la totalité des assiettes foncières. Ça veut dire 54 000 hectares. 30%, c'est combien ? 13 000, au grand maximum. Donc, nous avons 13 000 hectares
كمخزون سياحي قابل للبناء. Alors 13 000, s'il vous plaît, si on les utilise mal, c'est terminé. C'est pour ça que je vous disais, c'est un mal aqlani les masahat, les aqabat siyahi. سيد الوزير المنتدب استثنيتم في المخططات المقدمة السياحة الدينية لا سيما وقسنطينة تتميز بوجود زوايا ومساجد عريقة جدا. النقطة الثانية نريد حبينا نعرفوا فيما يتعلق بسياسة الرقابة على الفنادق والوكالات والمواقع السياحية في ظل السرقات المتواصلة للقطع الأثرية. النقطة الثالثة ولو يعني ما عنديش يعني معلومات صحيحة لكن ما يروج أن المداخيل الفنادق تأتي أكرمكم الله عن طريق البارات وشكرا. البارات كلمة جديدة. الحانات. Alors, السياحة الدينية. السياحة الدينية بدينا بالسياحة الدينية كملنا بالحانات. السياحة الدينية شطة مهم جدا بالنسبة للجزائر ويعتبر منتوج سياحي أصيل بالنسبة للجزائر. فهناك التيجانية على مستوى ورقلة، هناك القادرية الرحمانية، هناك ما يسمى لفات لوكال، وعدة السيد أحمد المجدوب على مستوى النعامة، وعدة السيد الأبيض الشيخ على مستوى البيض في جوان. هناك مواعيد مهمة جدا للسياحة ترتكز على السياحة الدينية. أنا لم أتكلم على السياحة الدينية لأنني لم أتكلم على الأطباق السياحية بشكل عام المتواجدة على المستوى الوطني، ولكن اعلمي سيدتي باننا نولي اهميه قصوى لهذا النوع السياحي. لماذا؟ لان العائله الجزائريه شغوفه جدا بهذا النوع السياحي، تحب كثيرا هذا النوع السياحي الديني اضافه الى النوع السياحي الحموي الترماليزم. نوعان محبوبان جدا من طرف العائله الجزائريه، وبالتالي نولي لهما اهميه كبيره. فيما يخص الرقابه على الفنادق والوكالات، هناك رقابه من طرف ما يسمى بسلك مفتشي السياحة، سواء تعلق الأمر بمفتشي السياحة على المستوى المحلي على مستوى مديرية السياحة والصناعة التقليدية، أو المفتشي السياحة على مستوى المركز. أن هناك رقابة على مستوى الفنادق وعلى مستوى الوكالات، ولكن أجمل رقابة وأهم رقابة حسب ظننا هي تلك التي تمارس من طرف أصحاب المهنة، la corporation, le syndicat national des agences de voyage, la fédération nationale des agences de voyage. لما تكون عندنا فيدرالية قوية فيما يخص وكالات السياحة والأسفار، هذه الفيدرالية سوف تعمل على تسليط الرقابة المهنية، parce que les professionnels n'aiment pas que un non professionnel vienne leur altérer leur produit. فيما يخص مداخيل الفنادق، أنا قلت وأقول بأن الطبيعة لا تحب الفراغ. Vous avez compris mon message. C'est-à-dire que s'il y a des hôtels en Algérie qui fonctionnent comme ça, bon, c'est parce que c'est tout ce qu'il a trouvé à vendre. Makanch. Il n'y a pas de véritable tourisme familial. Et c'est pour cela que si nous voulons, إن أردنا إذا تفادي مثل هذه يجب علينا تفعيل السياحة العائلية، ولأن العائلة يجب أن نوظف لها ونسخر لها فنادق من شأنها استقطاب. Maintenant, l'Algérie est un pays démocrate. Vous avez compris. Chacun est libre de recourir au mode qu'il juge le meilleur. Nous n'avons pas à intervenir au niveau de... Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'État veut développer le tourisme domestique et le tourisme familial, Inch'Allah. Il y a beaucoup de mustathmirines qui sont des banquiers. سؤال آخر فيما يتعلق شبكات التواصل والإنترنت استغلالها في تفعيل وتنشيط السياحة الجزائرية. إحنا خاصة في عبر صفحة فيسبوك وتويتر كاين نشاط بزاف، لكن لأفراد مواطنين اللي قاعدين ينشطوا ويروجوا للسياحة في كل ولاية كل منطقة، لكن ما فيش صفحات خاصة تاع مؤسسة تعنيها. هل لديكم مشروع في هذا المجال؟ شكرا. يعلم هذا الملأ الجميل بأن مشروع سياحي يجب أن يمر على لجنة مختصة بتسليم هذه الرخصة. لجنة
تحتوي جميع المديريات المختصة بالولاية، لأن un projet touristique, un hôtel va accueillir du public. Un hôtel va accueillir du public. Donc imaginez que la direction, par exemple de la protection civile, vous dit non, je mets un avis défavorable parce qu'il y a tel problème. Imaginons que Sonelgaz vienne dire il y a une conduite basse tension qui passe au-dessus du terrain, de l'assiette. Donc moi, je mets un avis défavorable. Vous comprenez qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et هذه في حالة عدم الانطلاق. أما الحالة الثانية والتي هي المشاريع التي انطلقت ثم توقفت في غالب الأحيان في 99% مشاكل تمويل. وهنا هناك أشياء كبيرة يمكن أن تقال. لما أريد إنجاز فندق علي أن أقوم بدراسة سوق وعلي أن أقوم بدراسة تقنية اقتصادية يونيتود تكنيكو ايكونوميك. لما أنوي إنجاز فندق يجب أن تكون لدي الوسائل الكافية من أجل أن أتمم المشروع. Donc réfléchissons ensemble. Quelqu'un qui veut réaliser un hôtel, qui démarre 40% de taux d'avancement et qui s'arrête. Question. Que s'est-il passé? Il s'est passé que c'est un investisseur qui n'est pas professionnel. Moi, je le dis très franchement. C'est un investisseur qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est un investisseur qui n'a pas pris ses dispositions à l'avance. Parce que je veux faire un hôtel, je fais une évaluation, combien il va me coûter? Est-ce que j'ai les moyens? Je n'ai pas les moyens, je contracte un prêt avec une banque. À l'avance, je règle mon problème. Mais هناك مستثمرين يضعون أنفسهم ويضعون الإدارة أمام الأمر الواقع. ورغم ذلك تقوم مصالح وزارة السياحة بمرافقة هذه المشاريع المتوقفة، حيث أننا قمنا بتسليم جميع هذه المشاريع إلى البنوك، إلى الست بنوك اللي تكلمنا عليها، والبنوك هي حاليا تتصل بهم أو كاب باركا من أجل دراسة إمكانية إعادة انطلاق المشروع. Mais moi je vous dis, un investisseur professionnel ne tombera pas dans ce cas de figure. Donc je le redis en français, le ministère du Tourisme a recensé tous les cas de projets à l'arrêt et on a communiqué le listing aux 6 banques et je vous prie de me croire. Les banques sont en train de contacter ces investisseurs pour voir dans quelle mesure elles peuvent relancer leur projet. إيه شبكات التواصل طبعا هناك مشاريع لأننا إن لم نتواجد في شبكة التواصل سوف لا نتواصل. هناك مشاريع كبيرة من أجل على سبيل المثال لا رونكونتر كو هذا اللقاء الجميل سوف يبث في يوتيوب دون 48 اور دون 3-4 جور و pouvez le voir من أوله إلى آخره. Je vous donne un exemple, c'est un petit exemple. Vous allez le voir sur YouTube, je vous dis, dans moins d'une semaine, du début à la fin. Nous faisons dans la communication. Monsieur le Wali, on en a parlé hier, est très conscient de la chose. Notre maillon faible, c'est la communication. Nous ne communiquons pas. Vous comprenez? Tamanra, c'est Ain Salah, 750 km d'eau potable, d'AEP. Personne n'en parle. C'est un projet unique dans son genre au niveau mondial. Personne n'en parle. Vous pensez que c'est logique? Et après, vous rencontrez un Algérien et vous dites, elle n'a rien fait. Est-ce que vous me saisissez? Le métro d'Alger, les tramways un peu partout, le train qui va avoir des jours meilleurs. L'Algérie est en train de faire un bond prodigieux. Je dis bien prodigieux en matière de développement. Et on n'en parle pas. لأننا لا نتواجد عبر الشبكات الاجتماعية. وهذا هو التحدي الكبير الذي يواجه القطاع. Et je vous rassure, madame, je vous rassure que la communication va être notre cheval de bataille. Je vous rassure. Pour poser deux questions. La première, vous avez déclaré lors de votre intervention qu'on communique mal. Qui communique mal? On. Est-ce que c'est les acteurs dans le domaine du tourisme, c'est-à-dire les agents de voyage, et même votre secteur, ou le citoyen lui-même? La deuxième question, à travers cette stratégie de développement touristique,
pratique, professionnelle et ambitieuse. Quelle est la réalité de la communication actuellement en Algérie? Alors, on communique mal. Le « on », c'est un pronom indéfini. « On communique mal », c'est tout le monde. Mais je dis bien tout le monde sans aucune exception. Tout le monde, on communique mal, peut-être à l'exception, peut-être, à l'exception des jeunes Algériens qui ont moins de 30 ans et qui aiment beaucoup Facebook, qui aiment beaucoup Twitter. Ah, ceux-là, ils communiquent très bien. Sauf qu'ils n'ont pas de contenu. Ils ont l'outil, ils communiquent à merveille, mais ils n'ont pas de contenu. Et le danger, c'est qu'ils vont chercher ce contenu ailleurs, chez les autres. Alors, à charge pour nous de mettre à leur disposition le contenu, puisque nous n'avons pas su communiquer, entre guillemets, à charge pour nous de mettre entre leurs mains. Et c'est pour cela, vous m'avez tendu une perche, madame, c'est pour cela qu'en Algérie, on développe aussi le tourisme des jeunes. Plus de 60% des Algériens ont moins de 30 ans. Plus de 60% des Algériens ont moins de 30 ans. Plus de 60% des utilisateurs de Facebook sont des jeunes. 4 millions d'Algériens utilisent Facebook à titre de renseignement. Eh bien, à charge pour nous, nous sommes en train de multiplier les auberges de jeunes. Vous le savez, je suis sûr que ça, vous l'avez vu quelque part. Il y a des centaines d'auberges de jeunes d'excellence qui sont en train de germer en Algérie. Nous sommes en train d'encourager le tourisme de jeunes et nous sommes en train surtout d'imposer aux gérants et gestionnaires de ces structures de mettre à la disposition des jeunes l'outil Internet. C'est-à-dire, il est hors de question qu'un jeune puisse fréquenter une auberge et ne pas trouver le Wi-Fi à sa disposition au niveau de l'auberge. Parce que le jeune aujourd'hui fonctionne en temps réel, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est l'administration, c'est les citoyens aussi. En général, nous communiquons mal. Nous communiquons mal, quand je dis mal, ça veut dire que... Parce que c'est quoi la communication? La communication, c'est un ensemble d'éléments. Je vais essayer de le synthétiser. C'est moi qui ai envie, et AI, qui ai envie de vous passer un message. Donc si moi, je veux vous passer à vous un message, je dois utiliser un canal pour que... Bon, là, vous comprenez un canal, le téléphone, la radio, la lettre, le fax. Eh bien, le canal d'aujourd'hui, c'est l'Internet. Nous communiquons mal. Nous communiquons. Nous avons l'impression de communiquer. Mais en fait, nos messages ne passent pas parce qu'on n'utilise pas les bons canaux. Le fax, c'est terminé. Les brochures, c'est terminé maintenant. Les dépliants, c'est terminé. Si je veux communiquer maintenant, je dois être présent sur le net. J'utilise le canal qui fonctionne le mieux. Donc quand je dis mal, ça ne veut pas dire qu'on ne communique pas. Ça veut dire qu'on n'utilise pas le bon canal. Alors, la réalité de la communication en Algérie, écoutez, c'est celle-là. C'est celle-là, je crois avoir répondu à cette question. Maintenant, je demeure extrêmement optimiste, extrêmement. Extrêmement optimiste parce que nous sommes en train de faire des progrès en matière d'utilisation du bon canal, des bons canaux. Et ce qui est évident aujourd'hui, c'est que l'avenir appartient aux jeunes. Et les jeunes maîtrisent cet outil. Beaucoup de parents vous diront, moi, c'est mon fils qui m'ouvre ma boîte. Vérifie. Donc les jeunes, aussi jeunes soient-ils, maîtrisent l'outil informatique, l'outil Internet. Nous sommes en train de nous y mettre au niveau de nos administrations. Nous sommes en train de relooker nos sites web. C'est très important. Par exemple, un site web, une agence de voyage qui a un site web. Je dis, vous avez un site web? Il me dit, oui, je me connecte et je trouve agence XY, Tunisie, Y, Z. Vous appelez ça un site web? Un site web, c'est un site web dynamique. Ce n'est pas un site web statique. Je rentre aujourd'hui, je rentre la semaine prochaine, c'est la même chose. Je rentre dans un an, c'est la même chose. Vous appelez ça un site web? Une fois, j'ai été dans une wilaya, je ne la cite pas, où j'ai pris l'exemple d'une agence de voyage qui vendait encore le voyage de Omdurman. Je vous assure. Il m'a dit, j'ai un site web, j'ai ouvert. Il faisait le truc, la publicité, tant pour... Ça ne va pas. Je lui dis, vous êtes encore à Omdurman, vous me dites, vous avez un site web? Un site web, c'est un site dynamique. C'est un site qui vous permet une interactivité, une interaction, où je peux réserver en ligne. Là, je peux vous montrer des sites web. Il y en a, ils ne sont pas nombreux, mais on commence toujours comme ça.
Et ça commence à voir le jour. Je reste extrêmement optimiste pour la, même si la réalité de la communication n'est pas optimale, mais nous sommes quand même sur la bonne piste, on va dire. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous voulez imposer une industrie touristique en se basant sur une stratégie de communication à travers notamment nos médias. Et pour concrétiser cela, quelle est votre démarche envisagée en direction de nos médias, notamment les nouvelles chaînes de télé, et cela pour la diffusion des spots publicitaires du produit touristique. Voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'on deviendra sans vous ? C'est aussi simple que ça. L'année dernière, la journée mondiale du tourisme, ou la journée nationale du tourisme, a été mise sous le thème « Les médias miroirs de la destination Algérie ». Souvenez-vous, les médias miroirs de la destination Algérie. Écoutez, quand on parle d'industrie, il faudra que l'on se dise certaines choses. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, pas dans cette salle peut-être ailleurs, quand on dit tourisme, ils s'imaginent autre chose. Ils s'imaginent vacances, bronzage. Ils ne voient pas dans le tourisme un secteur, une industrie. Ils voient un loisir, ils voient... C'est tout. Donc la compréhension du secteur, elle est faussée. Eh bien, sachez que les hydrocarbures en Algérie représentent 40% du PIB. 40% du PIB. Elles créent combien d'emplois, les hydrocarbures ? 2% des emplois nationaux. 2% des emplois nationaux sont créés par le secteur des hydrocarbures, alors qu'ils participent à 40% dans le PIB. Le tourisme, le parent pauvre, 2% du PIB, c'est tout. Presque rien. Combien de créations d'emplois ? Malgré son état, qui n'est pas encore optimal, 4%. Le double des hydrocarbures est employé par le secteur du tourisme au moment où je vous parle, messieurs, dames. Alors imaginez si demain on développe une véritable industrie touristique. Qu'est-ce qu'il va créer comme pas ce secteur ? Eh oui, c'est ça la réalité. Personne dans cette salle ne savait que le tourisme, dans l'état actuel, crée plus d'emplois que les hydrocarbures. Et pourtant c'est le cas. Ça aussi c'est un problème de communication, on va dire. Alors, nous voulons réaliser une industrie touristique et sachez-le une fois pour toutes, sans les médias, on n'arrivera à rien du tout. On n'arrivera absolument à rien du tout. Les médias sont des partenaires incontournables, inévitables. Alors, les médias ont un public, un audimat. Nous on ne l'a pas. Donc, si j'utilise Radio Algérie Internationale, si j'utilise la chaîne, la radio régionale de Constantine, si j'utilise la chaîne 3, je vais toucher un maximum de... Et puis, ça sera dit par des professionnels qui savent dire le mot juste. C'est très important. Donc, nous avons préparé un projet de convention avec le NTV, avec l'Entreprise Nationale de Télévision Algérienne. Un projet de convention à travers lequel nous allons voir dans quelle mesure le NTV va vendre l'image, la destination Algérie. Nous allons faire de notre mieux pour nous redéployer sur tous les médias nationaux parce que le tourisme est l'affaire de tous. Je ne vous apprends rien du tout. C'est l'affaire du citoyen, c'est l'affaire du journaliste, c'est l'affaire de l'administrateur, c'est l'affaire de tous, absolument tous. سؤال ثاني بالعودة للسياحة الداخلية ما هي السياسة التي قد تنتهجونها في هذا المجال خاصة وأن نعرف أنها تعتمد على الرحلات والمخيمات رحلات أسبوعية غير منظمة غير مؤمنة عادة سؤال ثالث فيما يخص السياحة في الشواطئ خاصة فيما يخص النظافة وتقنين يعني عمل المركبات استغلال المركبات العائمة أو لجات سكي خاصة نعلم أنها تسببت في حوادث مميتة مؤخرا وشكرا. يخص سيرة الإيواء عند الساكن on appelle la formule du séjour chez l'habitant. هناك نص قانوني نص رسمي يقنن هذه الصيغة. Il y a une circulaire interministérielle entre le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme qui, donc,
qui légalise cette activité avec des conditions, parce que quand on dit le séjour chez l'habitant, c'est une forme d'hôtellerie, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut qu'il y ait des conditions d'hygiène, de sécurité. Eh bien, c'est une formule qui est en train de se développer de plus en plus. Mais alors là, de plus en plus, surtout, à la Moustawa, Al-Janoub Al-Kabir. Je vous donne un échantillon. Mi'yar Namoudaj, Houa Wilayat Bichar. Ou Khassatan Da'ira Tarit. La Titab Fistiamel Kawi Lihat Sira. Ou Wahia Sira Nouchidjoura Katib Al-Limada. Le séjour chez l'habitant est une formule très très importante. Pourquoi ? Parce que d'un côté, Minjiha, تعطي لمستعمليها قدرة شيء من 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 قدرة تجارية إضافية. C'est un plus économique commercial pour l'hébergeur. من جهة أخرى تعمل على تبادل الثقافات، تبادل العادات التقاليد، وبالتالي زرع الثقافة السياحية لدى المواطن الجزائري. نحن نولي أهمية قصوى لهذا النوع لأنه من شأنه أن يساهم معنا في تطوير القطاع. La formule du séjour chez l'habitant est capitale. Si on réussit le défi de cette formule, c'est 50% de pas en avant pour le tourisme interne d'abord. D'abord interne. Parce que cette formule permet, comme j'ai dit, le brassage, la complémentarité, en plus de son impact économique sur les populations locales. Alors vous allez parler de Matarit. Vous allez trouver que pratiquement 90% des autochtones louent leur maison ou une partie de leur maison avec la restauration, la gastronomie locale. C'est extraordinaire. On est en train de faire des progrès magnifiques en ce sens. Je passe à la saison estivale parce que justement, là aussi, il y a cette formule de location de cabanons, de maisons secondaires au niveau des villages balnéaires, etc. الشاطئية هناك قانون يقنن الاستغلال السياحي للشواطئ قانون 03-02 وهذا القانون واضح وضوح الشمس فيما يخص استعمال مركبات ذات المحرك الموتور الجيتسكي هناك قانون واضح جدا يقول بأنه قبل الاستغلال السياحي لشاطئ ما يجب أن يخضع هذا الشاطئ لدراسة تهيئة خاصة بالشاطئ تبين كيفية استعماله السياحة بالتالي ce plan d'aménagement des plages qui est exigé par la loi 0302 est très clair. Il nous dit par exemple vous imaginez une plage devant vous, il nous dit nous allons improviser ce qu'on appelle un couloir d'accès soit dans une extrémité, soit à droite, soit à gauche, un couloir d'accès spécial en engin nautique. Donc le maraqib dat el muharrik يجب عليها أن تدخل إلى المياه عبر هذا الرواق. Malheureusement, ça ne se fait pas dans toutes nos plages parce que nous sommes en train de faire les plans d'aménagement au fur et à mesure. C'est comme les aides, au fur et à mesure. Maintenant, السياحة الشاطئية نوع سياحي نعول عليه كتير لأننا نسجل أكثر من 70 مليون أكثر من 70 مليون مستاف على مستوى 14 ولاية ساحلية سنويا. ما يعمل له القطاع في ما يخص الموسم القادم هو تحسين تدريجيا نوعية الخدمات المقدمة على مستوى شواطئنا وإيكال الخدمات الشاطئية وحقوق الامتياز الشواطئ بالأولوية للمهنيين للمحترفين. يجب علينا nous devons donner la concession de nos plages. Nous allons faire de sorte que on va donner la priorité dans la concession des plages aux professionnels, c'est-à-dire aux hôteliers, aux agences de voyage, aux restaurants touristiques, aux offices locaux du tourisme, pour la gestion des plages, pour espérer une amélioration qualitative. Et nous sommes en train de faire les plans d'aménagement des plages au fur et à mesure pour régler définitivement ce problème. Il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Siyah al-dakhiliya. Ma ya'malu lahu al-qita' fi ma yakhus al-nuhud bi siyah al-dakhiliya. Siyah al-dakhiliya hiya هي منتوج يفعل من طرف عدة أطراف. ما يقوم به القطاع حاليا من أجل التطوير هذا النوع السياحي هو تنسيق بين شركات النقل، شركات الإيواء وأصحاب
وكالات السياحة والأسفار. C'est un travail de coordination. Alors, si nous voulons développer le tourisme national, qu'est-ce qu'on doit faire? Un, on doit donner à l'Algérien des réductions au niveau des billets, par exemple d'avion. Et nous sommes en contact permanent avec Air Algérie et Etihad Airlines qui font des efforts, il faut que je le dise, très importants. Très, très importants. Air Algérie a fait des réductions jusqu'à 50% pour les Algériens qui veulent passer la saison saharienne au sud l'année dernière, vous le savez. Et elle est en train de faire des réductions de 50% pour les Algériens du sud qui veulent venir passer le ramadan au nord. أليس هذا بجميل؟ إذن نحاول إذن مضاعفة مثل هذه المبادرات من أجل النهوض بال وسوف 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 نعمل على إشراك أيضا ما يعرف بالخدمات الاجتماعية les œuvres sociales للشركات الوطنية كسوناتراك كسونيلغاز من أجل تفعيل إذن هذا النوع السياحي الداخلي الذي هو مهم جدا ولكن ولكن il faut le dire ولكن علينا أن نوفر قبل ذلك هياكل الإيواء والهياكل السياحية بشتى أنواعها المناسبة للعائلة الجزائرية. Parce qu'un Algérien, quand il vient en famille, s'il vous plaît, je vais vous donner un exemple. Une famille algérienne, est-ce qu'elle peut vivre une semaine dans cet hôtel? Non. 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 C'est pas un hôtel qui va être adressé aux familles. C'est pour ça que je vous disais, il faut faire une étude de marché. Une famille, je viens avec ma famille, je ne vais pas prendre une chambre pour moi et mon épouse, une chambre pour mes enfants, une chambre, c'est trop. Donc qu'est-ce que je vais chercher? Un bungalow, un appart-hôtel, un truc qui nous réunit sous le même toit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à charge pour nous, pour développer le tourisme domestique, de garantir à la famille algérienne, aux citoyens algériens, des structures d'accueil adaptées à ses besoins. Merci. بقى عام ونص على احتضان قسنطين لتظاهرات عاصمة الثقافة العربية. وانتم شددتوا على التكوين بزاف. بالنسبة في الولاية كاين معاهد ولا مدارس للتكوين الفندقي، بصح الولاية تعاني عجز كبير فيما يخص تكوين المرشدين السياحيين. تشهد حضور وفود عربية كبيرة. شكرا، سؤال مهم جدا. التكوين كما قلت في بداية مداخلتي هو شطر أساسي في الاستراتيجية، وأغتنم هذه الفرصة من أجل أن أحيي وهذا بكل صراحة وبكل شفافية مجهودات اللي قام بها صاحب الفندق، بحيث أنه regardez, c'est un tout en un. Tout en un. C'est un hôtel, c'est une agence de voyage, c'est une école de formation. Vous ne voyez pas qu'il y a la stratégie qui est ici dans cet hôtel? Ça veut dire que c'est un professionnel qui est à la tête de cet hôtel. Regardez, il n'a pas construit un hôtel, point. Il a construit un hôtel, puis il s'est dit, maintenant, qui va me ramener les clients? Il me faut une agence de voyage. Parce que c'est l'agence de voyage qui vend le produit, ce n'est pas l'hôtel. L'hôtel, il est là pour héberger. Alors que nous, on a un complexe, on a un grand complexe. Quand on dit tourisme, on dit hôtel. Non, je suis désolé. Et là, je le dirai là où j'irai. Là où j'irai, je dirai que le tourisme, ce n'est pas l'hôtel. Je suis désolé. El Fundok, voici là, où elle est cette raya. El Fundok, voici là, où elle est cette raya. El raya, il y a une nohoud, mais où j'ai un siyahia. Au min ajlin nohoud, نحتاج إلى عدة وسائل من بينها الفندق أو هيكل الإيواء. Donc l'hôtel n'est pas le tourisme. Alors pourquoi je dis que cet hôtelier est un professionnel? Il a compris. Il s'est dit, moi j'ai réalisé un hôtel. J'ai des chambres, j'ai des lits. Maintenant, les lits, s'il n'y a pas de demande, vont chômer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre une agence de voyage. Et l'agence de voyage va me ramener les touristes. Et les touristes auront besoin de quelque part où dormir. Ils viendront dans mon hôtel. Puis il s'est dit, mais qui va me gérer cet hôtel? La main d'œuvre, si elle est médiocre, les touristes ne vont pas. Donc il a compris qu'il faut une école de formation. Ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. Mais « ma ahwajana ila mitl hatil istitmarat » le Jazair. « Ma ahwajana ila mitl » Parce qu'il ne suffit pas de construire un hôtel pour dire « ça y est, je vais développer le tourisme ». Non. التكوين، vous avez raison madame, التكوين، c'est la base. C'est la base. لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 16% من، je vous ai donné les chiffres tout à l'heure.
je vous ai donné les chiffres, 15% de la totalité de la ressource humaine doit être formée dans les métiers du tourisme. C'est quoi les métiers du tourisme ? Guide, le mouachid, agent de voyage, le wakil, wakil siyahi, wakil siyahi plutôt, guide et les autres métiers du... Je ne parle pas de la restauration et tout, c'est les métiers du tourisme. Eh bien, al-Makka adrabisha abiha. C'est très important là. Je ne peux pas former le guide de Constantine à Alger. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça le grand défi, parce que je vais vous dire quelque chose sur le guide, comme ça vous aurez une idée. C'est quoi ce métier de guide, le murshid? On a que nawa'an min al murshid. On a que le murshid al-watani ou le murshid al-mahalli. Il y a le guide national, il y a le guide local. Le guide national, c'est quelqu'un qui doit être détenteur d'une licence d'enseignement supérieur et qui doit faire une formation au niveau de l'École nationale supérieure du tourisme, parce qu'il va évoluer au niveau de la nation. C'est un guide national, il connaît tout. Mais le guide local, c'est quelqu'un qui doit connaître uniquement l'histoire, l'archéologie de sa région. Et par rapport à tout cela, le guide de Constantine doit être formé à Constantine. Et nous avons avec nous le président de l'Office du tourisme de Constantine, que je salue encore une fois, et qui est le doyen national des présidents des offices du tourisme. Je crois que vous avez une mémoire vivante qu'il faudra utiliser pour justement faire connaître, pour donner une petite formation, même si ce n'est pas une formation... Je connais son niveau. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure à l'opérateur, à l'hôtelier. Je lui ai dit, est-ce que vous formez des guides? Il m'a dit, on a un programme de formation de guides, ici, dans cet hôtel. Oui, tout à l'heure, j'ai posé la question, parce que le guide est très important. Il faut qu'il sache parler du Rumel. Il faut qu'il sache parler de Massinissa. C'est qui Massinissa? Il a vécu quand? Quelle est la relation entre Massinissa et Sifax? Et je ne sais quoi encore. Et le guide, ça, c'est le guide local qui doit remplir cette tâche. أشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء على مداخلاتكم القيمة على حسكم السياحي وأطلب من الله عز وجل أن يعيننا على خدمة البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.